Fractionner un tableau Word. Nous allons commencer par créer un tableau. Insérer, tableau, 4 colonnes et 8 lignes. Agrandir un petit peu notre tableau. Ajouter quelques lignes. Positionnez votre curseur sur la base inférieure du tableau. Lorsque vous avez le petit plus, faites un clic gauche. Ceci crée une nouvelle ligne. Je vais en créer plusieurs pour la suite du tutoriel. Voilà. Dans l'entête, nous allons marquer civilité, prénom, nom et âge. Nous allons fractionner notre tableau en deux tableaux. Nous allons nous positionner sur la deuxième ligne. Cliquez sur Disposition. Fractionnez le tableau. Vous voyez, votre tableau est fractionné en deux. Par contre, lorsque vous remplirez votre tableau, lorsque vous arriverez vers la fin, vous ne verrez plus votre entête. Nous allons faire le nécessaire pour continuer à voir l'entête. Clic gauche sur l'onglet Affichage. Cliquez sur Fractionner. Vous voyez, votre tableau est fractionné en deux, avec l'entête qui est figée. Mais nous voulons uniquement garder que l'entête. Positionnez votre curseur de souris sur la ligne, clic gauche maintenu et remontez la séparation. Votre entête ne bougera plus. Comme vous avez deux tableaux, vous avez deux fois l'entête. Mais par contre, mettez-vous sur le deuxième tableau et remontez, vous voyez votre entête reste figée. Donc vous pouvez augmenter le nombre de lignes et votre entête paraîtra toujours. Nous allons en profiter pour modifier légèrement notre tableau. Sélectionnez l'entête. Cliquez sur l'onglet Disposition et venir chercher Centrer. Venir sur l'accueil. Nous pouvons augmenter la taille de la police, mettre en gras. Vous pouvez mettre un fond. Vous pouvez changer la couleur de la police. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous avez des questions, passez par le forum.